tous. Si vous nous écoutez, c'est que nous sommes probablement vendredi et qu'il est 18h. C'est le jour de la première diffusion des mots de la musique en compagnie d'André Paul et Jean-Pierre. Bonjour à vous deux. Bonjour Jim. Bonjour Jim. Toujours ravi de vous avoir sur l'antenne de Jazz FM pour ce magazine consacré à la musique classique qui est également rediffusé en week-end. Nous sommes toujours dans le déroulement d'une... comment appeler ça, André Paul? Une espèce de saga? C'est ce que j'allais dire. C'était ouais. Le mot. Mm-hmm. La saga des compositeurs du 19e siècle, en fait. Mm-hmm. Voilà. Et aujourd'hui, lorsque j'ai reçu ce matin, en arrivant au studio, le pitch, le déroulé de cette émission, le titre, c'est « Chez les Vic ». Eh oui. Oh, qui connaît Monsieur Vic? Mais lors de notre dernière émission... nous avions suivi Mendelssohn et Chopin chez Monsieur Vic à Leipzig. En effet, Mendelssohn est chef de l'orchestre très réputé de la ville de Leipzig. Chopin est passé le voir et Mendelssohn lui dit « Il faut que je te présente Monsieur Vic qui habite à Leipzig ». C'est une personnalité musicale, il est pianiste, mais c'est surtout un des meilleurs professeurs de musique de son temps. Il est critique musical, il est compositeur, mais je vous ferai remarquer qu'on l'a un peu oublié en tant que compositeur. Alors nous les retrouvons, on peut imaginer, dans le salon de Monsieur Vic. Je ne sais pas s'il buvait une bière ou du thé, ma documentation ne le disait pas. Mais il y a Mendelssohn, il y a Chopin, il y a Vic, et puis il y a un de ses élèves, un jeune homme qui loge chez lui. Il s'appelle Robert Schumann. Ah, il y a aussi Clara, la fille de Vic. Clara a 16 ans, mais elle a été formée par son père et elle est déjà connue dans toute l'Europe pour ses talents de pianiste. Elle a été une enfant prodige, bien entendu. Alors on parle musique, on parle orchestre, mais peut-être même qu'on parle de Bach, puisque, si vous vous rappelez, Bach, il y a quelques siècles, a été le cantor de la ville. C'est pour ça d'ailleurs que Leipzig est restée et est toujours une ville musicale. Le cantor, c'est le monsieur qui est chargé de la musique liturgique dans la ville. Alors ils sont là, ils parlent, mais Clara ne dit rien, elle écoute. Elle est un peu timide, bien sûr, avec ses 16 ans, mais elle a les yeux tournés vers Robert Schumann, qu'elle aime parce qu'il vit là un peu. Bon, elle est admiratrice. Alors, à Clara, on dit, ben, tu vas te mettre au piano, et bien entendu, elle va interpréter une œuvre de Chopin. Et elle va très bien l'interpréter. Chopin est impressionné quand même. Alors, on ne sait pas très bien ce qu'elle a joué, mais peut-être ce nocturne que nous allons écouter, que Chopin vient de composer. Et il est ici interprété par François Dumont. Oh, on ne sait plus. Peut-être que François Dumont jouera à Pornic le 20 mars, mais on a un petit peu peur que non, parce que la Covid est toujours là. Alors on écoute donc ce Nocturne opus 27, numéro 2. Interprété par François Dumont. Thank you.
Alors, nous sommes en 1835. Je vous rappelle, Schumann a 25 ans. Enfin, il a l'âge de Chopin. Hein. Et très jeune, il a voulu composer. Et il a pris des cours de piano avec l'organiste de sa ville. C'est Zico, sa ville. J'espère que je prononce bien. Et son père, qui était un libraire, donc quelqu'un de cultivé, l'emmenait parfois au concert. Mais son père est décédé quand il avait 16 ans. Alors, Schumann a fait des études secondaires, et à la fin de ses études secondaires, il a 18 ans, sa mère l'inscrit à la faculté de droit de Leipzig, parce que à Zwickau, il n'y a pas de faculté. Alors, oui, mais là, il y a une vie musicale intense, parce qu'il y a un orchestre très renommé. Alors, Schumann va passer beaucoup plus de temps à écouter les concerts. Évidemment, quand on écoute un concert, on se couche tard et on oublie d'aller au cours le lendemain matin. À écouter aussi des conférences musicales, plutôt que d'aller à la faculté de droit. Cet orchestre joue dans l'ancienne halle au tissu. Je vous signale que je n'y ai pas été, mais elle existe toujours, elle a été reconstruite deux fois, mais elle existe toujours dans un style moderne. Et dans les sociétés musicales qu'il fréquente, il suit des conférences, il rencontre ce monsieur Wick, ce professeur de piano à qui il demande de lui donner des cours. Et puis, un jour, il écoute un concert de Paganini, s'il vous plaît. Ah ben oui, mais ça, il se dit... Je vais être un Paganini du piano. Alors il dit ça à sa mère, je vais arrêter mes études de droit, je vais me consacrer au piano. Elle est inquiète quand même. Et elle va aller voir Monsieur Wick qui la rassure. Dans 3 ans, il sera l'un des plus grands pianistes vivants. Plus spirituel et chaleureux que Hummel. Plus grandiose que Moscheles. Alors Schumann emménage pour quelque temps chez son professeur. Ah, il travaille avec acharnement. Mais déjà, il a tout juste 20 ans, hein, il se plaint déjà de douleurs infinies dans le bras. Hypochondriaque, on ne sait pas. Mais il a quand même des doigts qui se paralysent, d'autant qu'il a inventé un appareil pour améliorer l'indépendance des doigts, et puis ça va paralyser deux de ses doigts. Donc, fini la carrière de pianiste. Alors, en 1834, il a créé une revue musicale dans laquelle il fait parler des personnages fictifs, mais qui correspondent à des personnes réelles de son entourage. Alors, par exemple, il y a M. Wick, il y a aussi Clara dans ses personnages, il y a aussi Chopin, mais il y a aussi... deux personnages qui le représentent. Il y a Eusebius, qui est un rêveur introverti, et Florestan, qui est un passionné et combatif. En fait, à eux deux, ils représentent Schumann, mais ça dépend du moment. On dira d'ailleurs que Schumann est un bipolaire dans notre langage. Et voilà comment il va les représenter en musique, dans une œuvre pour piano, qui s'appelle Carnaval. Et d'ailleurs, ce Carnaval, il va le dédier à sa première, mais très éphémère, fiancée, Ernestine. Alors, on va écouter Eusebius, le rêveur introverti, qui est joué ici par Claudio Haro. On écoute tout de suite. Thank you.
entendu, il faut que je vous fasse écouter Florestan, le passionné et combatif dans la suite de Claudio Haro. Qu'on écoute dans la foulée. Voici donc la personnalité de Schumann présentée par lui-même en musique. Que vous dire de mieux ? Alors, il va se consoler très, très rapidement de ses fiançailles rompues. En fait, il paraît que la dame n'avait pas beaucoup d'argent. Moi, j'y étais pas. Et parce qu'en fait, à la maison, il découvre que Clara est non seulement une grande artiste, une grande pianiste, mais qu'elle est bien jolie, qu'elle est fraîche comme tout, et surtout qu'elle l'aime passionnément. Alors, nous avons eu la scène dans le salon 1835, c'était septembre 1835, vous voyez, c'est pour ça qu'elle le regardait avec beaucoup d'amour. Et bien, en octobre 1835, ils ont échangé leur premier baiser. Et M. Vic prend ça, il le découvre, il voit ça, il prend ça pour une petite amourette, oh là là, il se fâche. Il envoie sa fille en tournée de concert. Ah, ce Schumann, même pas un pianiste, qui picole parfois pour oublier ses malheurs. Il est sans ressources, n'a pas le droit de gâcher la brillante carrière de sa fille. Il interdit Schumann de mettre les pieds à la maison. Mais quoi de plus têtu que des amoureux qui s'aiment? On s'écrit, Schumann lui offre ses compositions, qu'elle joue. Et finalement, il demande la main de Clara en 1837, alors je vous rappelle, il a 27 ans, à Papa Vic. Et bien sûr, Papa Vic l'envoie paître, oh pardon, elle lui refuse. Alors Schumann, il demande même à Schumann de quitter la ville, alors il s'en va à Vienne. Mais bien sûr, il continue à composer, mais uniquement pour elle. Alors, il va composer « Lucrèce Liriana », ce sont des pièces de musique pour piano. Il va composer « La fantaisie Clara », aussi pour piano. Et ces pièces montrent déjà une grande maîtrise de la composition. Alors, moi, je vais vous faire écouter « Arabesque », parce que « Arabesque », les débutants peuvent encore jouer ça. Et il compose ça en 1838. Et puis Arabesque, c'est pour Clara toute seule. Pour lui, il l'écrit quelque part, c'est une œuvre destinée aux femmes. C'est une évocation de fleurs, de rêves. Voilà, alors on pourrait peut-être écouter... Alors, on l'écoute, joué par Maria João Pires, une pianiste portugaise qui a donné son premier récital à 5 ans, qui a gagné tous les concours dans une brillante carrière dotée d'un toucher, d'une rare finesse, malgré ses 76 ans. Actuellement. Mais nous avons eu le plaisir de l'entendre jouer à Nantes avec le violoniste Augustin Dumay. Pendant les folles journées ? Non, c'est un concert spécifique. D'accord, très bien. On va donc écouter Arabesque ? Thank you.
Eh oui, vous avez vu, c'est une musique qui évoque tout à fait la fraîcheur de cette jeune fille de 19 ans. Vous avez noté l'écart d'âge, elle a 19 ans et il en a 27, il y a 8-9 ans d'écart entre les deux. Mais malgré l'éloignement, l'amour continue à fleurir entre ces deux jeunes gens. Et ils veulent se marier. Alors ils passent à Paris, ils se retrouvent à Paris et ils décident d'intenter un procès pour diffamation à ce père abusif qui a raconté que Schumann n'avait pas d'argent, qu'il picolait, qu'il était un bon à rien. Eh bien, ils vont gagner le procès et ils vont pouvoir se marier en septembre 1840. Et comme dit la tradition, ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. Et oui, ils en ont eu 8. Oui. 8. Il y en a juste un qui est décédé en bas âge, donc il y en a 7 qui sont arrivés à l'âge adulte. Soit dit en passant, une des filles de Schumann aurait pu discuter avec nos mères, puisqu'elle est morte en 1938. Voilà, alors le couple s'installe dans la vie conjugale. Ah, ben, ça ne chante pas, hein, un enfant tous les 2 ans. Une bonne moyenne. Robert édite sa revue, il enseigne au conservatoire de Leipzig, il compose. Clara, ben, évidemment, elle s'occupe du foyer, des enfants. Mais Schumann s'intéresse aussi à sa petite famille et peut-être jouait-il à sa fille aînée Marie, pour l'endormir, cette pièce de piano qui est sortie des scènes d'enfants qui s'appelle Rêverie et j'avoue que je l'aime beaucoup. On l'écoute ? Rêverie, des scènes d'enfants, donc on écoute Rêverie. Par Marsa Agerich. Vous aurez remarqué que jusque-là, je ne vous ai présenté que des œuvres pour piano. Non, ce n'est pas un caprice de ma part. En effet, il n'avait pas encore composé que pour piano. Et il a commencé à composer ses premières œuvres orchestrales en 1841, donc 31 ans. Et voici son premier concerto pour piano, qui a bien sûr été créé par Clara, à qui il avait confié. Je ne peux pas écrire de concerto de virtuose. Il faut que j'imagine autre chose. Ben, vous vous rappelez, il est handicapé de sa main droite. Il ne peut donc pas jouer de piano. Alors, on va écouter ce concerto, et qui était un peu boudé par le public, parce que justement, il n'avait pas mis de morceaux de virtuose. Il est joué ici par Marsa Agerich, qui se fiche éperdument de la virtuosité. Thank you.
Si 1841 voit naître ses œuvres orchestrales, concertos, symphonies, c'est en 1842 qu'il aborde, et avec brio, la musique de chambre. Dans une précédente émission, rappelez-vous, on avait écouté un morceau de son quintette qui est merveilleux. Et puis, il faut remplir l'escarcelle, hein, élever les enfants, ça coûte cher. Alors, ils font des tournées à travers l'Europe. 4 mois à eux deux en Russie. Un vrai voyage d'amoureux. Sauf que Schumann considère dégradant son rôle de mari de la pianiste. Ah, puis sa santé empire, peut-être parce qu'il est un peu tendu. Il est sujet à des phobies, à des crises d'angoisse, à des vertiges qui s'accentuent au cours des voyages. En 1844, ils sont donc de retour, mais il s'installe à Dresde, où il va occuper le poste de directeur de la musique de cette ville. Continue à composer, mais en 1847, il sera très touché par la mort de Mendelssohn, qui était quand même resté un de ses amis proches. Et puis, en plus, un de leurs tout jeunes enfants meurt également. Alors, il va composer des lieder, des symphonies. En 1853, vous voyez, je vous cite les dates pour que vous voyez son évolution. Il a 43 ans. Lors du festival de Rhénanie, qui se déroule à Dresde, le violoniste virtuose Joseph Joachim, dont on parlera encore beaucoup, leur présente un jeune musicien, compositeur et pianiste. On va chez les Schumann et Schumann l'invite à montrer son talent de compositeur au piano. L'avez-vous deviné ? Il s'agit de Johannes Brahms. Et Brahms va interpréter la dernière sonate qu'il vient de composer. Ah ben, je suis désolée, je ne peux pas vous la présenter, parce que quand Brahms a joué ça, tout le monde s'est extasié en disant « Ah, c'est un nouveau Mozart !» Ah bon, il n'a pas aimé ça, et il a détruit sa sonate. Alors, ben, je vais vous présenter la première éditée, donc une sonate de Brahms que l'on écoute. Schumann n'en croit pas de ses oreilles. Quelle richesse de composition ! Un génie ! Et il appelle Clara. Elle arrive dans le salon, comme d'habitude. Elle se tait. Elle regarde ce jeune homme de 20 ans qui est discret, timide, qui joue merveilleusement bien et qui est beau. Elle a 34 ans. Et la musique qu'elle entend est si passionné. D'ailleurs, Joseph Joachim a écrit à propos du jeune Brahms. Son jeu est plein de feu, d'une énergie fatale et d'une précision rythmique qui révèle l'artiste. Ses compositions contiennent plus de choses intéressantes que je n'en ai jamais rencontrées dans les œuvres d'un jeune homme de son âge. Voilà, les Schumann ont adopté Brahms à cause de son génie. Et ils vont continuer à se voir avec Joachim. On en parlera d'ailleurs lors d'une prochaine émission. Et les Schumann font encore une tournée de concerts très applaudie en Hollande et rencontrent en rentrant Brahms et Joachim. Mais
à son retour, les hallucinations reviennent. Des acouphènes, des troubles de l'élocution. Et fin février, en pantoufles, ils habitent Düsseldorf à l'époque, ils traversent Düsseldorf, donc en pantoufles, sous la pluie battante, et se jettent dans le Rhin. Ah, mais il est repêché, heureusement. Et on le ramène chez Clara, qui va se réfugier chez une amie avec ses enfants. Et on va faire comprendre à Schumann qu'il faut l'interner dans une maison de repos. Je dis bien interner parce que c'est un asile, maison de repos. Il est suivi par un médecin. Et là, c'est un peu le silence total. Clara ne lui annoncera pas la naissance de leur fils, Félix, parce qu'elle était enceinte, bien sûr. Silence total. Seul Brahms, Joachim et Bettina von Arnim vont le voir. Bettina von Arnim, je vous en ai déjà parlé dans les émissions de Beethoven. C'était une amie de Beethoven et aussi de Goethe. Et c'est elle qui a réussi à faire une petite rencontre entre les deux grands hommes. Elle va donc écrire à Clara et lui dire qu'il faudrait ramener Schumann à la maison où il est bien maintenant. Il a progressé pendant quelques mois. Il a repris de la santé. Mais Clara va voir le médecin et lui demande de le garder jusqu'à totale guérison. Alors, Schumann arrêtera de se nourrir et décédera en juillet 1856. Mais je ne puis vous quitter sans vous présenter Chiarina. Chiarina, c'est un des personnages que Schumann a inventé dans sa revue. En fait, c'est Clara. Je vous la présente en musique, donc c'est un extrait de Carnaval. Qu'on écoute, ce sera le dernier morceau de cette émission. Merci encore à vous deux, à André-Paul, Jean-Pierre, pour ce nouvel épisode des Mots de la Musique. On va se quitter donc sur... une œuvre extraite de Carnaval. Et on se retrouve très bientôt pour une suite. Eh bien, écoutez, Brahms est arrivé dans la saga. Il faudra qu'on parle de Brahms. Et encore de Clara, bien sûr. Oui, ben oui, parce que j'ai l'impression que l'histoire n'est vraiment pas finie et qu'on entendra parler d'elle, y compris dans l'épisode précédent. Merci infiniment à vous deux. Merci, Jim. À très bientôt sur l'antenne de JADFM. C'était un merci de Jim collégial parfait. En harmonie. En harmonie. Merci beaucoup en tout cas.